Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay commenté de The Evil Within 2 sur PlayStation 4. Édité par Tango Gameworks, développé par Bethesda Softworks, sorti officiel le 13 octobre 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 3 ans. Non, je déconne, 18. Superbe note de 15,5 sur 20 sur Game Rankings. Sans plus attendre, donc là je me retrouve dans une safe zone, je suis chapitre 3 et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Nous incarnons l'ex-inspecteur Sébastien Castellanos. Bon, je ne vous apprends rien si vous avez fait The Evil Within 1. Donc dans chaque safe zone, vous retrouverez donc du coup des seringues qui permettent du coup de vous healer, des medic packs avec même des armes ou des munitions dedans. Dans ce jeu, la machine à café, la cafetière, vous redonne toute votre vie. C'est bien connu, la chicorée, c'est bon pour la santé. Nous sommes donc du coup dans le quartier de Union. Nous y sommes envoyés via le STEM, cette fameuse machine qui vous permet d'aller dans une espèce de monde parallèle, une sorte de matrice horrifique. Un petit peu comme dans le premier, hein, pour vous expliquer un petit peu. Bon, là, ça c'est le point de sauvegarde. Et pour terminer, lui c'est O'Neill, c'est l'un des 5 membres de Mobius qui a été envoyé dans ce monde aussi, dans le même but que moi, pour trouver le noyau qui s'avérait être Lily, la fille de Sébastien, donc du coup, lui déterminé, il va chercher sa fille. Je finis brièvement de vous expliquer un petit peu le tout avant de replonger dans le scénar du 1. Alors ça c'est un établi, ça vous permettra donc du coup, vous avez un style un petit peu RPG dans ce survival horror qui va vous permettre en gros un upgrade d'armes ainsi que de fabrication d'items basé sur le software et le hardware. Je m'explique, donc du coup software en gros c'est tout ce qui l'englobe, tout ce que l'on peut voir, c'est-à-dire donc du coup dans les armes, vous voyez que j'ai mon pistolet en haut, ce n'est pas la seule arme, il y a plusieurs slots vides, j'ai vu qu'il y avait des fusils à pompe, des arbalètes, etc. Le software, vous pouvez par exemple améliorer la puissance de feu en récupérant des pièces détachées. Augmenter par exemple le temps de rechargement ou augmenter la capacité de munitions, cadence de tir, etc. Voilà, tout vous est expliqué. Les raccourcis, ça aussi je l'avais oublié, je vais en profiter pour directement mettre voilà, ça ici, ça là, voilà, au moins tout sera fait. Et ensuite vous avez aussi le hardware en fait, donc software c'est tout ce que l'on peut voir, ce que Sébastien Castellanos a sur lui, donc ses armes, et le hardware ça tombe bien, nous allons aller voir la belle Tatiana. Donc Tatiana c'était une femme, une infirmière qui habitait, enfin qui résidait dans l'hôpital Beacon, le lieu où se déroulait The Evil Within 1 en fait. Et Sébastien Castellanos était accompagné de Julie Kidman, ainsi que d'un autre inspecteur en bas âge, enfin voilà, plus une dégaine de stagiaires, voilà, ils étaient trois protagonistes en fait dans ce premier. Et là, donc du coup, on a appris que l'un des patients était en réalité, enfin une sorte de, c'était un peu le diable en fait, d'où le fait qu'il se passait des choses complètement what the fuck. Et là, on quitte cet espace d'hôpital très sinistre, très morbide, pour aller dans cette petite bourgade qui s'appelle Union. Enfin, vous allez voir vite fait, vous allez très vite voir à quoi ressemble ce quartier. Très charmant, très beau voisinage, vous allez très vite vous en rendre compte. Et là, du coup, ouais, donc c'est bien ce que j'avais vu. À chaque fois que nous irons dans une chaise, en fait, on va se retrouver dans cette espèce de chaise de torture, hein, où est-ce que Tatiana va pouvoir nous upgrader, en fait, la vie, la récup, donc voilà, tout ce qui est hardware, en fait. Quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Oh, vous. Ça y est, je suis amoureux, les gars. Faites-là. Je pourrais vous retourner la question. En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage, on a bien trop vu. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb si vous voulez. Vous savez, comme avant. Voilà, bon, d'accord, comme avant, donc en fait, bon, là voilà, en fait, dans cette machine, on avait un espèce de neurotransmetteur qui était planté dans notre nuque. Et à chaque fois qu'on prenait une upgrade, il se prenait une grosse décharge en fait, et il prenait plus de vie ou autre. Donc apparemment, donc l'unité de paiement, ça s'appelle le gel vert en haut à droite. Hein. Ouais, voilà, cette espèce de liquide vert avec un cerveau dessiné dedans. Je sais pas si vous voyez bien en haut à droite. Hein. Bon là, le coût c'est 1500, j'en ai que 900, et je sais que c'est 1500 pour tous les premiers, donc j'en ai clairement pas assez, donc je vais pas pouvoir me upgrader mon hardware. Je pensais de base que ce liquide vert avec un cerveau dedans, c'était un liquide céphalo-rachidien en fait. Le liquide qui entoure, en fait, qui protège notre cerveau dans notre boîte crânienne.
Donc voilà, donc je me retrouve dans ce bureau, et à chaque fois ce sera une sorte de safe zone dans laquelle je pourrai accéder grâce à un miroir. Et ben voilà, miroir qui est ici. Là je vais pouvoir en ressortir. Et on va pouvoir s'attaquer sans plus attendre à la mission, et je vais pouvoir aussi vous expliquer donc du coup un petit peu l'histoire de The Evil Within 1. Le but, utiliser le communicateur dans un premier temps. Voilà notre mission. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, il y aura plusieurs ondes. Voilà, celle-là. Il y a plusieurs ondes, en fait, parce que le jeu vous offrira des missions secondaires, en fait. Donc c'est plutôt sympa, et des missions secondaires qui vous seront grandement conseillées avant de faire la principale, tout simplement. Alors ça, tout le monde a dû le voir déjà dans les vidéos, c'est le fameux, voilà, le fameux mouvement, le séisme. La ville en fait un peu à casse-tête, un petit peu à la Silent Hill, en fait. Enfin bref, pour revenir à The Evil Within 1, en fait voilà, tout se passait dans Beacon, en fait un hôpital psychiatrique où est-ce qu'un patient en fait était en quelque sorte le diable. Et il fallait savoir qu'une fois la porte d'entrée franchie dans cet hôpital, le retour était impossible. Il était accompagné donc du coup de deux autres personnages secondaires qui faisaient partie de son équipe, et là cette fois-ci, étant donné que l'un est mort et l'autre, cette femme, ben, c'est celle qui, c'est Julie Kidman, elle le renvoie en fait dans le STEM, cette machine, et du coup, voilà, il va falloir qu'il sauve sa fille, donc hop, 300, on est à 330 et quelques mètres, on va récupérer les consommables. Donc voilà, parce que dans le 1, bah en fait, bah ce patient était aussi dans cette machine. Donc le STEM, c'est quoi? C'est dégueulasse ce qu'il fait, là. Il entasse les corps, là. Ah, la hache, putain. La hache, ça permet de one-shot quand vous tapez au corps à corps. Ça, c'est super. Ah, et ça, ce sont des objets rares sous la voiture. Merde, il m'a vu. Ouais, il m'a vu. Quand l'œil est gros, ça y est, c'est qu'il vous a spoté, peu importe où vous êtes caché. Bon, du coup, c'est radical, la hache. Enfin voilà, le STEM en gros c'est une espèce de baignoire, vous y êtes dedans et de l'eau vous arrive jusqu'à votre visage en fait. Et vous êtes connecté dans une espèce de matrice, voilà, enfin l'endroit où je me trouve actuellement. Oh putain, mais t'es pas mort toi. Allez, reste à terre, c'est très bien ça. Possibilité du coup après de crafter ses propres balles, inutile maintenant de les retrouver. Qu'est-ce qu'on y perd par rapport au 1? Vous étiez obligé dans la plupart des cas dans les ennemis, quand vous ne leur mettiez pas un headshot, de les faire brûler avec des allumettes. On oublie ce système de craquer une allumette pour vraiment finir l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, voilà, les ennemis prennent un headshot, peut-être y aller à deux fois, mais ils crèvent vraiment quoi après. Plus besoin de brûler l'ennemi. On oublie ce délire de fil barbelé autour de tous les monstres que l'on affrontait. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Est-ce que ça va ? Putain, t'as du péché sévère toi. Nous avons une putréfaction super avancée. Ouais, ça semble logique de t'effondrer après un tel. J'ai même pas de mots pour expliquer ce qui vient de se passer, quoi. Ah, bon, bien sûr. On s'attendait à ce qu'il se relève, mais au final, ça vient des... Hop, non, ça vient pas que des fêtes, il se relève vraiment. Merde, dégage, allez. Toi aussi, voilà. Et l'autre... Oh, l'autre, il s'est barré, il en avait marre. Non, mais... Le mec s'est barré. Putain, jamais un monstre s'en est battu autant les couilles de ce que je faisais, quoi. Oh. Bon, du liquide vert. Au moins, je vais pouvoir, du coup, m'upgrader mon hardware quand je reviendrai voir la belle Tatiana. Bon... On fouille un petit peu partout, il reste des trucs. Ah oui, là-bas. Ah, ça c'est une bouteille de leurre, ça. Ah non, c'est de la poudre. Ça me permettra de crafter des balles, ça, si j'en ai plus. Le jeu est bien plus simplifié sur certains points. Allez.
Mais après, c'est vrai que il garde les blessures qu'il a dans le 1. Dans le 1, en fait, l'un des premiers monstres que vous affrontez, c'est un espèce de boucher qui va vous poursuivre un petit peu partout et va vous envoyer dans une salle où des lames vont essayer de vous trancher la gueule sur les côtés. Les corps ici. Ah ouais, voilà, ils entassent bien. Pourquoi ? Alors, ils entassent les corps. Moi, ça me rappelle une image que j'ai subie dans le chapitre 1. Il y a une énorme meuf avec 4 têtes qui naît quand il y a plein de corps par terre. Est-ce que ce serait pas pour l'invoquer ? En tout cas, si c'est pour l'invoquer, je suis grave dans la merde. Parce qu'elle est vraiment violente, celle-là. D'après le glossaire des ennemis, ce n'est pas l'ennemi le plus stylé que j'ai pu voir. Il y en a une meuf un peu à la The Grudge, qui fait 3 mètres de haut, mais tellement charismatique, c'est abusé. Mais apparemment, on ne peut pas la buter, elle n'est pas matérielle, tout la traverse, donc on est obligé de jouer au chat et la souris avec elle. On est obligé forcément de l'esquiver. C'est le seul ennemi invincible du jeu qui vous oblige à fuir, en fait. Et ça, c'est classe. Il y a pas mal de choses, là. J'ai vu qu'il y avait une trappe, on va voir où ça mène. Alors, cette trappe jaune, alors ça me rappelle, je me suis assez renseigné. Il y a dans le jeu des caches d'armes, en fait. Vous devez aller à des endroits, vous allez avoir des ennemis à affronter, et vous pourrez récupérer une arme que vous n'avez pas dans votre panel. Et ça, c'est vachement stylé. Alors, ok. Cet ordinateur. Alors ça, c'est les ordinateurs, je crois, qui vous TP d'un endroit à l'autre de la map, en fait. Quand il y a un endroit qui est inaccessible, en fait, c'est forcément par un computer qu'il faut y accéder. Bon, du coup, voilà, on doit avancer vers la sortie. Mais ça sert un peu à rien parce que, vous le voyez en haut à droite, il y a un chargement. Et dès qu'il sera à 100, voilà, le mec va s'arrêter, donc ça sert à rien de courir, en fait. Voilà, le prochain PC est là, et normalement, je devrais popper dans l'autre endroit. La moelle. Une armurerie. Bon, ben, du coup, ouais, c'est cool. Bon, j'ai déjà toutes mes balles, apparemment. Y a rien, ici? Ah, si. Une seringue. Bon. Pour l'instant, je me fais pas trop shutdown, quoi. Le 1 était beaucoup plus dur, je trouve, personnellement, par contre. Il a été grandement simplifié, le 2. D'un certain côté, tant mieux pour ceux qui veulent s'y mettre. D'un autre côté, pour les puristes qui sont en recherche de difficultés, bof. Ça pue le guet-apens quand même, on est d'accord. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Non. Ah, si ! Il y avait quelqu'un. Bon, et si on allait la buter ? On va y aller en scred, en mode commando. Ah oui, il a une petite animation quand il s'approche des ennemis, vous allez voir, il va sortir son couteau, c'est trop stylé. Allez, te retourne pas. Non, te retourne pas. Voilà. What? Mais à quelle heure tu crèves pas d'un coup de couteau dans la tête? Mais tout le monde meurt d'un coup de couteau dans la tête. Dégage! Oh là là. Bon, au final, elle s'est retournée. C'est chiant. Mon oncle me disait souvent de pas me retourner. Je le faisais, mais après j'avais mal au cul. Alors, du coup, on continue. B03. C'est ma salle. J'ai cours de maths ici. C'est quoi ça? Ah, vous avez entendu? Bon. On va d'abord péter les caisses. Comme dans le 1. Hein. Sébastien Castellanos adore casser des caisses. Il n'a pas le hype de Link pour péter des pots, mais il casse des caisses, ok? De la poudre à canon. Ah, des pièces détachées. C'est cool ça, c'est cool. C'est très bien. Poudre à fumer. Ah oui, je sais qu'il y aura des carreaux fumigènes pour les arbalètes que vous pourrez récupérer. Il y a des carreaux électriques explosifs. Des carreaux harponneurs. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas? Oh! Ah, il l'a balancé partout. C'est quoi cet irrespect, quoi? Oh, bordel. Oh, c'était trop drôle. je suis désolé, les gens, mais c'est pas avec un jeu d'horreur que je vais, franchement, essayer de vous faire peur ou autre, parce que, franchement, les jeux d'horreur, ils me font plus rire qu'autre chose.
Tous mes potes se chient dessus quand ils me regardent jouer. Ils me laissent jouer parce que je suis le seul à avancer dans le noir. Et putain. La boîte à fusibles. Avec les carreaux électriques. Les carreaux électriques, forcément. Donc là, il me faudra une arbalète. Donc je reviendrai. Pour fermer. L'oscilloscope. Ajuster l'amplitude et la fréquence. Alors. Bon, je fais des 360 avec mes joysticks. Ah, j'y étais. Ouais, parfait. Ouais, non, du coup, voilà, je cherche désespérément le jeu qui va vraiment me faire me chier dessus, clairement. Hein. Franchement, je vais pas vous le cacher, parce que les jeux d'horreur, franchement, ça me fait pas peur. Depuis Silent Hill, je parle des premiers, hein, bien entendu, hein, ceux sur Play 2. Mais, franchement, depuis, non. Non, clairement pas, y a aucun jeu. Pity, peut-être, ça commençait un peu, mais bon, on pourra jamais voir. Et puis Resident Evil 7 est une pâle copie, et je n'ai pas eu une seule fois peur dans RE7, quoi. Déjà parce que j'étais dégoûté de voir ce que RE7 donnait. Oh, ça puait la cage d'armes. Je suis amoureux, les gens. Je suis souvent amoureux dans cette vidéo. D'une infirmière et d'un fusil à pompe. Sinon, moi, ça va super bien dans ma tête, et vous? Hop là, à gauche. Bon. On va récupérer. Trousse de soins, c'est très bien. Niveau healing pack, quand même, on est plus que bien, quand même. Je crois que j'ai 3 seringues, j'ai 2 medic packs maintenant. Enfin, c'est... Ça va quoi, je peux affronter un boss quoi. Enfin, me filez pas un boss non plus, mais voilà. Ah, ça bouge, ouais. Allez, toi tu vas rester à terre. Voilà, c'est bien. Suffit de le demander gentiment. J'aime bien cet effet ragdoll là du monstre qui avance malgré qu'il n'ait plus de tête quoi. Ça fait effet canard un peu. Oui, couper la tête des canards, c'est ma deuxième passion. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits là? Ah, mais ils étaient bloqués là-dedans depuis tout à l'heure. Bon, on va voir ce que le pompe va donner. On va acheter un leurre, histoire de voir si le leurre fonctionne. Oh, remarque, j'étais un peu con de jeter le leurre devant lui. Bah oui, bien sûr, ça marche pas. Il m'avait vu. Oh, le shutdown. Où t'es toi? Attends, faut que je vois si c'est vraiment si puissant que ça. Parce que là, je t'ai apporté, là, quand même. Eh oh. Ah ben, c'est bien. Oh, mais c'est abusé. Mais elle est trop pétée, cette arme. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je vais être inarrêtable si ça continue. Enfin bref, le jeu vous propose, en parlant de facilité avec les armes, le link pack, etc. Il y a 3 modes de difficulté. Normal, facile, difficile. Le jeu vous propose un système d'aide à la TH, d'aide à la visée. Vous pouvez modifier après la sensibilité, votre rayon axe XY, modifier le gamma du jeu, etc. Le jeu, en fonction des mises à jour à venir, etc., pourrait atteindre plus de 40 gigas de votre espace sur le disque dur de votre PS4. Je ne connais pas la mémoire qu'il peut faire sur Xbox One. Ah. Vous l'aurez remarqué, bande de petits malins, j'ai fait une fondue enchaînée parce que dans le temps de chargement pour revenir à cet endroit, le chargement s'est bloqué à 34% pendant, mais sans déconner, au moins 5 bonnes minutes. Je sais pas ce qui s'est passé, donc j'ai laissé le jeu tourner. Je suis même allé me chercher à boire, quoi, c'est pour dire. Du coup, donc on reprend. Oh! Mais ça va, Sébastien, n'aie pas peur, quoi. Attends, t'as vu tellement pire depuis tout à l'heure. Allez, avance. Ah bah oui, il y avait quelqu'un. Bien. En fait, ils font un peu souvent ça, en fait. Je pensais que c'était un ragdoll complètement aléatoire pour les buter, mais non, en fait. C'est vraiment une façon à eux de crever, de faire quelques pas en avant avant de s'écraser. Je pense avoir récupéré toutes les balles sur ce type. Voilà. Vérifiez bien toujours à ce que la tête soit explosée. Bon, au moins, on pourra réussir un shutdown au corps à corps dès le premier coup. Je sais pas si vous avez remarqué, il y avait un truc dans la bagnole.
Ouais, nice. On peut péter les vitres des bagnoles pour récupérer tout, tout complément à l'intérieur. Tout collectible. Et ça, c'est cool. Récupérer de l'herbe, ce sera pour vos medic packs. Ça rappelle étrangement Resident Evil, quand même. Quasiment 230 pas à faire. Non, c'est pas toi, ça. Ce n'est pas toi, ma fille. Non, clairement pas, non. Putain, c'est la même qui a subi, qui a résisté à mon coup de couteau. Bordel, oui, non mais, ok, d'accord, ok. Alors, ce monstre-là, modélisé comme ça, la meuf en robe blanche, un petit peu witch à la Left 4 Dead, est un des monstres les plus résistants. D'accord, ok, bon, c'est bon à savoir. Je sais que la prochaine fois que j'en vois une, je ne lui mettrai pas un coup de couteau pour commencer. J'essaierai de la tenir à distance et de la buter. Pochette améliorée. Yes, ça c'est stylé, on peut en avoir 5, classe. Bon, mais ça en fait déjà une. Plus que 4, et oui, on fait des maths avec X rouge, c'est génial. Cette porte est allumée, enfin, le petit, c'est, on me propose d'entrer quoi, j'ai vu de la lumière, je suis rentré, je vais dire. Oh, ça va, c'est qu'une lampe, mec, putain, il se stoppe pour des trucs, mais si insignifiant quoi. Autant d'accord, ok, voir des pieds se barrer, il s'arrête, pourquoi pas, mais une lampe. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Journal de la femme, la dernière entrée du journal écrite d'une main tremblante. Il y a quelque chose dans cette maison avec moi, je ne la vois pas, mais je sens sa présence, je ne crois pas vouloir la voir. J'entends ces horribles choses dehors, elles sont partout, j'ai peur de sortir, mais j'ai peur de rester ici aussi. Je tremble, mais je n'ai pas de peur. Hein. Fait ici froid d'un, tout d'un coup. Il fait froid. Il fait froid, ouais, bah, oui, oui, bah, c'est ce que tu venais de dire. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette connerie? On va voir, ça vient peut-être de l'autre pièce dans le salon. Ça vient du salon lui-même en fait. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh oui. Oh oui, The Grudge. Oh, je suis amoureux pour la troisième fois les gars. Oh, elle est trop classe. Il y a des gens qui se chieraient dessus. Moi je la trouve tellement charismatique. Oh! Oh! Oh là 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 là! Je kiffe! Oh putain! Je suis en extase devant là. Donc, elle, c'est le jeu du chat et la souris, comme je vous ai dit. Faut absolument pas se faire voir. Putain, il se passe des trucs dans ce gameplay, quoi, les gens! Oui, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, je ne dis plus vidéo test, je dis gameplay commenté. On me le ressasse sans cesse, disant que ce que je fais n'est pas un vidéo test. Et dans le fond, vous avez raison, les gens. C'est réellement du gameplay commenté, vu que ça dépasse allègrement les 10 minutes. Malgré tout, j'espère que cette appellation au contenu que je fais ne vous rendra pas imperméable pour autant. Alors on va trouver la carte, hein, de toute façon, parce que cette porte derrière moi a été verrouillée. Non mais pourquoi elle bouge pas? Putain, faut rentrer, elle va forcément nous voir. Putain, elle nous attend comme une pute, quoi. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Oui, oui, c'est bon, j'ai compris, Sébastien. Bon, ben... Ouais, bouge pas, ben voilà. Ok, fallait juste ouvrir pour qu'elle passe. D'accord, bon bah très bien. Alors je sais pas si vous entendez le la 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 qu'elle est en train de faire, mais c'est 10 fois plus immersif parce que la voice-over de la manette, vous savez qu'on a un micro dans la DualShock 4, et le la 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 je l'entends également. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, mais... Oui d'ailleurs, vu que je suis en train de record avec mon HDPVR. Oh tiens, une tablette. Une carte. Pour m'aider à sortir d'ici. Oh bah... Bah c'est bon, j'ai trouvé, bah j'ai plus qu'à repartir. Oui, mon HDPVR va enregistrer le son de la télé, mais mon Blue Yeti, à travers mon filtre anti-pop, va enregistrer le la-la-la de la manette. Putain, c'est tellement classe, ce sentiment de putain d'impuissance que t'as face à un boss qui est tellement charismatique. Je te jure, j'adore. Ah, elle est là-bas. Non mais je peux comprendre que ce genre d'humanoïde peut faire réellement peur. Hein. Parce que franchement,
Non, clairement, moi dans un monde pareil, je me chierais dessus. Hein. C'est parce que je sais que c'est un jeu vidéo et que je me dis que c'est un tas de pixels qui peut éventuellement me foncer dans la gueule. Mais dans la vraie vie, mais je suis même pas dans cette salle. Je me chie dessus à me faire une descente d'organes, quoi. Je me tire une balle avant de rentrer dans le STEM, quoi. Allez, déplace-toi, quoi. Elles ont ce grudge là, il a cette façon assez malsaine de se déplacer. Ça rappelle étrangement un peu les pyramides Head de Silent Hill, qui aussi au passage sont juste monstrueux. J'aime bien aussi cet effet d'écran qui grésille quand elle est proche de nous. Ça fait un peu, vous savez, quand le Slenderman vous a capté. Allez, Sébastien, c'est le moment. On va y aller. Ça, ce sont des souvenirs de Devil Within 1, ça, clairement. Ok, on est revenu, en fait on n'a pas bougé, c'est génial. Franchement j'adore. Le fait de... On se sent complètement ailleurs, puis au final en fait on n'a même pas fait un pas quoi. Et cette chose, c'était la réalité ou mon imagination? Oula, 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 la caméra. Un diapositive. Oui, les diapositives sont des petits succès à récupérer en fait. Quand vous revenez dans son bureau, vous savez, en passant à travers le miroir avant de vous asseoir sur la chaise avec Tatiana, vous pouvez mettre vos diapositives dans un rétroprojecteur et vous pouvez appeler Kidman pour vous faire un petit point en fait sur la situation. 191 pas, on va y aller, on va s'occuper de ça de suite maintenant parce que là, ça commence à faire long quoi. Et pourtant j'entends des cris et il n'y a personne autour de moi. C'est quoi ce machin là-bas? Mais il y a trop de monde en fait, mais ils étaient pas là il y a 2 secondes là. Ah, tiens, il y a un truc rare. Qu'est-ce que... Oh, t'étais dessous toi. Dégage. Voilà, c'est très bien. Tout ça pour une bouteille, vous êtes sérieux? Pour un leurre? Mais... Bon... Je me suis sévèrement fait couiller là sur le coup. Alors eux, quand ils ont des cocktails Molotov, ce qui est cool... Voilà, tu tires, ils prennent feu, au moins. Ils lâchent de suite ce qu'ils grabent, et ça c'est trop bien. Il y a un peu trop de monde pour aller jusqu'en haut quoi. Oh le hurleur! Des cris tellement chaud, mais il se déplace vite en plus. Alors, ce machin me fait étrangement penser justement à ce que j'ai pu voir dans d'autres vidéos. Je l'ai appelé le hurleur, c'est parce qu'un autre youtubeur l'a appelé comme ça, mais d'ailleurs, je crois que c'est son nom. Il s'approche trop près de vous, il crie et il vous baisse toute votre barre d'endurance. Vous ne pouvez carrément plus vous déplacer, vous êtes à sa merci. Donc c'est un peu une sirène en fait, ouais voilà, c'est clairement ça en fait. Il vous met dans une incapacité, il vous silence un peu quoi. Il vous silence. Je fais un peu de ménage autour hein, pour pouvoir avancer quand même. Hein. Après j'ai les buts mais j'ai envie de toujours aussi récupérer ce putain de gel quoi. Bon, on va essayer d'esquiver les autres et on va avancer directement pour aller voir pour aller sauver Lily quoi qui est dans ce shop en haut. Bon, non, on perd pas de temps, le gel c'est plus tard. J'arrive ma fille. On dirait une espèce de lunch bizarre. Qu'est-ce que... C'est quoi cette vieille fréquence là? Ok. Qu'est-ce que
D'accord, ok. Donc ce sont les souvenirs. Très bien, voilà comment du coup on va voir quand on arrive devant une... devant l'objectif de notre radar, voilà comment ça va se manifester. Ok. C'est sympa. Il y a franchement pas mal de nouveautés comparé au 1. Si vous avez fait le 1, d'ailleurs, vous pouvez le voir de vous-même depuis le début. Non, franchement, c'est vraiment prenant. Bon, la porte qui vient à peine de se mettre en couleur à l'instant. C'est moi. Bon sang. Allez, ouais, t'acharne pas, quoi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? Ouais, enfin, ouais, bon, franchement, faut vraiment être le dernier des cons pour être perdu, quoi. Parce que là, le jeu, rien que dans les cinématiques, vous montre où est-ce que vous devez aller, quoi. Je pense pas, de toute façon, que ce soit un jeu vraiment fait pour réellement chercher. D'ailleurs, ça fait un petit moment, même plusieurs années, que tous les jeux, les objectifs sont clairement indiqués, quoi. On est loin de l'époque World of Warcraft Vanilla, où est-ce qu'on avait uniquement Judge Hype pour essayer de nous aider avec une vieille map prise en screenshot et lâchée en PNG sur Internet, quoi. Vous sentez le vécu, hein, dans ce que je viens de dire. Alors, d'après ce que j'ai compris, la personne qui pourchasse la petite, c'est, je pense, le boss final du jeu. Il se fait appeler le tueur aux photos. Il va tuer la personne, genre lui planter un couteau dans le ventre, et juste avant qu'il le retire, il le prend en photo et retire le couteau. Et quand il prend en photo, le cadavre devient, en fait, tombe en slow motion. Et du coup, il y a une giclée de sang qui part au ralenti. Et il trouve que le meurtre, c'est un art, en fait. Donc on se retrouve avec un bon petit psychopathe des familles. Et notre but est d'en savoir plus sur lui, quoi. Le fameux tueur aux photos qui me nargue en plus depuis le début du jeu. Il vous prend en photo et d'un coup il disparaît, quoi. Le flash est tellement puissant que... il vous observe, quoi. Oh ben, elle est tombée dans la poubelle. Elle est dans la poubelle ou quoi? Ok, Lily. Où est-ce que tu t'es enfui? Quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Y'a rien, qu'est-ce que tu fais, toi? Je pouvais pas me déplacer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Un autre signal. Ok, ah ok, bon, il va falloir que j'aille de signal à signal. Bon, bah du coup, ok, donc voilà ce qui m'attend. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, on en a quand même assez vu. Je pense que je vous en ai clairement montré, franchement, c'était stylé. C'est stylé, franchement, c'est un super jeu. Franchement, moi, il m'a hypé de malade. Et qu'est-ce qui m'arrive sur la gueule depuis tout à l'heure? Ah, mais il y a vraiment quelque chose, oui, ça bouge. Qu'est-ce que c'est, ces machins? Bon, je l'ai buté, on va s'arrêter là. Ah, mais ils sont pas morts encore ou quoi? Sec. Merde, putain. Ah, bordel. Tu vas crever, machin? C'est bon? Cool. Mais qu'est-ce que c'est, ces trucs? Ouais, à vrai dire, le glossaire d'ennemis n'est pas fini. 1000! Oh là 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 là, je vais me faire des updates de malade. Enfin bref, bon, mais du coup, on va s'arrêter là. J'espère du coup que ce gameplay commenté de The Evil Within 2 sur PlayStation 4 vous aura bien plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à ciao tout le monde!